One, two, three, hey Frenchies. Alors bienvenue ou bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons manger. On va manger quoi? Le crabe royal. Le crabe royal. Comment on dit ça? C'est quoi ça? Crabe. C'est quoi ça? Crayal. Le crabe royal. Crayal. Il est trop mignon. Ben voilà, vous nous avez demandé à plusieurs reprises de manger du crabe royal. Crabe royal, voilà. Mais vous savez ce que je préfère quand moi je le seafood boy? C'est qu'on mange avec les mains. Exactement, nous avons une petite poubelle là. Vous voyez le petit concombre. Ben bon appétit, on vous aime tous. Très fort. Bon appétit. Bon appétit. On a des yeux durs ici. Et les bébés. Je veux le crabe royal tout de suite. Tu veux le crabe royal? Tu veux le croquetta? Le... Moi je veux le crabe royal moi aussi s'il te plaît. Le crabe royal? Tu veux pas la saucisse? Il veut dire que le crabe royal est bien. Moi aussi s'il te plaît. Mon préféré c'est dans le petit coup de bois, il y en a trois. Le crabe royal, il y a les oignons et les saucisses. C'est tout. Ah. Ouais. Alors j'ai déjà prédécoupé. Hein. Moi je kiffe les oignons. Ceux qui n'aiment pas les oignons, c'est un grand crime. Non, pas forcément. Hein. Alors est-ce que vous avez passé un bon Noël? Non. T'as pas passé un bon Noël? Non. C'était pas bien Noël? T'as pas eu les cadeaux du Père Noël? Tiens. Ben si. Le crabe royal. Le crabe royal. On a eu plein. Alors, j'ouvre ça pour Sephora. C'est mon crabe royal qui m'a sauté dessus. Tiens, voilà le crabe royal pour Sephora. Tiens, Sephora. On va tremper ça dans la bière au beurre. Vas-y, la sauce bière au beurre. C'est trop bon. Oh, moi je vais prendre le petit bouquet là. Je vais prendre un petit peu d'oignon ici. Alors, le crabe royal, on est passé au champ pour faire nos courses normalement. Vous verrez tout ça, toutes nos courses dans la prochaine vidéo. On est parti faire nos courses normalement au champ pour le mois. Et là-bas, qu'est-ce que j'ai vu en allant voir les crevettes? Parce que je voulais les crevettes. En allant voir les crevettes, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que le crabe royal est en promotion. Uniquement pour les fêtes. 50€ le kilo. Tiens, maman. Vas-y. Donc comme c'est 50€ le kilo, et qu'il n'en restait pas beaucoup, bah, j'ai pris 2,9 kg. Vu que j'avais déjà prévu pour vous. Tiens. Vu que vous m'aviez déjà demandé du crabe royal, j'avais prévu 150€, vu que c'était 149€ le kilo. J'avais déjà prévu de prendre 1 kilo. Et là, en voyant que c'était en promotion 50€, bah, j'ai pris 3 kilos. Et là, ma poissonnière, elle était super gentille, vu qu'il restait deux gros bouts, genre la pince là, cette grosse pince là, et une autre pareille, vu qu'il restait ça, elle me les a donnés. Super gentille. C'est bon. Hein? Trop gentil la pâte. Ça va pas mal. Ça pique. Ça, ça pique pas. C'est quoi qui pique? Là, mange le crabe royal là. On a mis des œufs pour une fois dedans. Les gars, tout à l'heure il y a Loane qui va arriver. Oh, ouais. Je suis contente. On va faire la bonne année avec la copine qu'elle aime faire là. Que tu avais fait les VIP. Non, t'as oublié que t'avais les VIP plus. Nous on est comme Beyoncé. On est ses copines. Aaron est parti. On mange avec les doigts. Alors. Elles sont chaudes les patates, fais attention. Ouais, t'inquiète. L'œuf il est encore. Il est chaud l'œuf aussi. Non. Même pas. Vu que la dernière chose que j'ai fait cuire, c'était les patates. Moi je le trouve chaud. Dès que ma meilleure amie va arriver, ouais, je vais lui sauter dessus comme la dernière fois.
Faudra pas vous battre, hein. Ouais, l'autre fois. Ah ouais, elles se sont fightées carrément. Ouais, on m'a traité de bébé. Elle m'a traité de bébé parce que j'arrivais pas bien à remettre les roues sur la voiture, sur sa voiture. Parce qu'on s'est cogné, ça s'est enlevé les roues, bien sûr. Mm-hmm. Avec son Mario Kart là. Et du coup, en fait, elle m'a traité de bébé. Je lui ai dit, c'est toi-même le bébé. Après, ça a continué en fight. J'ai fait tomber sa Switch sans faire exprès. Elle a crié, elle m'a claqué. Je l'ai claqué, je lui ai donné des coups de pied et elle a bien pleuré dans le genou. J'ai mis un gros coup de pied dans le genou, elle a bien pleuré. Entre copines, elles se fight. Mais après. Et c'est même pas copine-copine, hein, c'est copine de la famille, genre. Mes meilleures amies. Vu qu'on se connaît depuis que je suis toute petite, ta maman elle me gardait depuis que j'étais toute petite. Du coup, en fait, j'ai fait tomber sa Switch, elle a crié, on s'est donné un coup de pied. Mmh. Je lui ai donné un coup de pied dans le genou. Elle a eu super mal. Mais au moment où on a mangé les burgers. Je me suis excusée, elle s'est excusée, on a continué à jouer à notre jeu qu'on jouait tout à l'heure. Mmh, qu'on jouait avant. Ouais. Bon. Je vais couper ça. Oui, les patates, elles sont chaudes, c'est ce que j'ai fait cuire en dernier. Ah bon? Mmh. En fait, depuis là, j'ai peur que ça explose. C'est bon. Mmh. En plus là, le grabe il est bien épais. Il a bien toute sa chair. Il est trop bon. Allez, c'est bon. Ah, papa. C'est trop chaud. J'ai une idée. Tu l'as accroché sur mes doigts, je vais mettre dans la sauce aussi. Tellement c'est chaud. Tu peux faire manger chaud ou manger froid? Chaud. Bah alors. Quoi? T'es en train de te plaindre. Mademoiselle, j'aime râler. Mmh. En train de me gratter les pieds. Ah ouais? Alors est-ce que ça te plaît ce repas là? Ah ouais, ça c'est méga bon. C'est méga bon? Je prends des oignons là, il y a des oignons là. C'est pas pour toi. Mmh. Nice. Regarde comment je mange. Pour la banane, c'est ce qu'on va faire? Non. Alors on va manger raclette. Le 31, donc demain on va manger raclette. Mmh. On va boire, on va jouer, vous allez jouer tout ça. Ouais. On a pris plein de jus. Enfin, j'ai pris plein de jus. Mmh. On va manger raclette. Et dès qu'il sera l'heure, on va aller voir le feu d'artifice. Hey. En ville là-bas. Ça te va? Mmh. Et plus de concombre. Ben si, regarde là. Merci. Chin. Oh, merci. C'est bon, regarde-moi ça. Bon? Mmh. Ah, comment ça dégouline là. Ah, comment ça dégouline? Non, ça dégouline pas, tu viens d'en mettre. Ouais. C'est ce que j'ai fait là. Bon, ok, j'arrête de te narguer. Mmh. En plus, je suis sur la partie de mon puits qui est blanche. Mmh, t'es folle. Voilà. Après je vais te donner la brosse, tu vas laver ça toi-même. On met pas de la machine à laver. La la la. Ça, ta résolution pour 2023. Ta résolution pour 2023, ce sera de laver tes habits toi-même. Dans ma déceuse là, maman. Bah ouais. Pourquoi tu me fais ça? Mmh. Il est fou le mec là-bas là. Non, il est en train de regarder ses trucs. C'est pour ça qu'il voulait partir. Arrête. Je fais bien avec ces crevettes. C'est qu'elles étaient déjà décortiquées et dévenées. C'est genre quoi dévenées? On avait déjà enlevé la veine. Mmh.
Ils ont une seule veine. La veine dans le dos là. S'il te plaît. J'ai pas pensé à tremper moi dedans. Mon œuvre. C'est bon hein. Moi je n'aime pas que les yeux durs. Pourquoi? C'est que le jaune il est. Le jaune il est trop. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais pourquoi? Je sais pas. Il est trop. Dame, tu vas jamais comprendre. Bah si tu me dis bien le mot. Attends, aussi sans l'exploser. C'est comme ça que je les avais les frais découpés. Mais avant, c'est pour que ça s'explose pas partout. Ça, c'est à toi. Et cette partie-là aussi pour toi. Comme ça, tu ne vas pas me fatiguer à me dire, maman, tu peux me faire celui-là, s'il te plaît, maman. Krayaya. Comme dit Aaron. C'est le crabe pour Yaya. Krayaya. Ron n'est pas là pour se défendre. Et je te sors cette partie là aussi. Parce que moi je la mange mal cette partie. Ça, ce sera pour Aaron. Je l'ai celui-là pour Aaron. Kiffe le crabe royal. Un crabe yaya. Maman, un crabe yaya. Oh. Non, c'est mon crabe. Tu viens de dire le crabe de yaya. Ouais, bah celui-là. Ce qui est dans ma main. Non, c'est une blague. Ah. On dirait qu'il dit crabe royal. Bah moi je veux le crabe royal. Mais non, tu viens de dire que c'est mon crabe, le crabe yaya. C'est ce casson, ça va. Elle dit ces choses, je suis là, je suis juste en mode mec. Ce qu'elle raconte. Que de la couillonnisse. La sauce bien au beurre, elle picote un peu. Hein. Mm-hmm. Tout ça là, c'est que de la chair de crabe. Je vais aller chercher de l'eau. Et comme boisson, nous avons du. J'ai du jus PSP là avec des graines de basilic dedans. Bon vous... fruit de la passion. Et moi j'ai du mogu. Attends. C'est un goût quoi? Goût cassis. Moi j'ai du mogu goût cassis. Je kiffe cette boisson, regarde comment elle est. Tout ça là, c'est des graines de basilic. Moi je kiffe ça, cette boisson, parce que ça c'est de nata de coco. Avec des bouts de coco dedans. J'ai plus envie de quitter ma boisson. Bon, je mange encore une ou une ou deux crevettes. Et après moi je vous dis bye, parce que là, mon ventre est plein. On roule vite hein. Mmh. Moi je continue à regarder mon film. Mmh. Ma série plutôt, ça fait une série. Un film, c'est une trilogie. So, cage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Toutes les notifications. Toutes les notifications. On vous aime tous très fort. Bye. Bye.